C'est la famille, bienvenue sur Crashroom TV. Moi c'est AJN Roll Boss, artiste, réalisateur, producteur. Et si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à activer aussi la cloche de notification pour ne rien rater. Sinon, prochaine vidéo, c'est très très important. Aujourd'hui, nous allons parler de Suspect 95. Pour ceux qui connaissent pas, parce que ouais, c'est vrai, il y a des gens aussi qui connaissent pas les gens. Pour ceux qui connaissent pas Suspect 95, ça, c'est un rappeur ivoirien qui a fait ses preuves, qui est un bon lyriciste, voilà, qui rappe bien, qui écrit bien. Et tout dernièrement, qui vient de faire sortir un son avec Youssoupha, je crois que ça fait un mois ou deux mois, je me rappelle pas trop, qui vraiment le son a cartonné. Il y a eu pas mal de rappeurs qui ont posé sur le son, qui ont lâché des couplets de ouf. Franchement, il y a eu des milliers de freestyles qui, voilà, sur le son, c'était Suspect. Et franchement, qui nous revient avec un nouveau son, un nouveau titre qui s'appelle Paflotage. Voilà, donc si t'es pas ivoirien, que tu sais pas ce que ça veut dire paflotage, bon, j'ai pas le monopole de l'explication du mot paflotage, mais je pense que c'est une personne qui se vante une vie, c'est une personne qui tourne en rond, qui dit j'ai ça, j'ai ceci, j'ai cela, et en vrai qui n'est pas vrai, tu vois, qui s'invente une vie en fait, tu vois, c'est un marmailleur, tu vois. Donc c'est ça, c'est un paflotteur, voilà. Donc c'est la paflotage, et comme je vous dis, j'ai pas le monopole de l'explication de ça, mais je sais pas, si t'es ivoirien, tu vas comprendre. Sans plus tarder, nous allons écouter le son, regarder le clip, et après je vous dis ce que j'en pense sur le son, sur le clip, sur le mix. Let's go. Viens ici. Voilà. Hey. Ah ouais, ça commence bien. Rico King Beach. Ah ouais. Bah déjà, je kiffe l'entrée, hein. Je kiffe déjà les mecs qui coulent, là. Bon, on dirait des prisonniers, si je me trompe pas. Yeah, tu n'as pas dit que tu es la fille d'un big boss. C'est pour qu'il est superposé qu'il y a dans tous tes TikTok. Yo. Tu n'as pas dit que tu fais licence 3. Tu fais quoi dans tous les renforcements terminal A? Hey. Tu n'as pas dit que vous étiez une fille, hein? Les sugar daddy, c'est pas ton délit, hein? Pour la fille qui avait barbe blanche parmi vous là, pourquoi quand vous la snappez pas aussi? Tu n'as pas dit que tu joues en Espagne. On était devant les groupes dans ton club, tu es star. Ah ouais, c'est chaud les gars, c'est chaud. C'est pas sur leur page, tu n'es jamais sur le terrain. Ou bien tu as ton propre stade. Tu n'as pas dit que tu es trader, PCS, Léo Surf, on fait ça dans trading. Tu n'as pas dit que toi tu es un seul gars. On dit faut le taguer, maintenant tu souris à qui? Ah ouais, le clip est lourd, hein. Tu n'as pas dit tu bois que le champagne. Pourquoi quand c'est dans ton argent, tout d'un coup tu aimes bien? Ah ouais. Je ne sais pas ton style, mais tu me demandes un orange money. Tu t'es trompé, j'espère. Tu n'as pas dit tu fais minimum 4. Tu vas pas la louper si tu l'attrapes, hein. Tu n'as même pas fini un, tu es en pâte. Soyez sur toi maintenant qu'il faut jouer un peu ça. Tu n'as pas dit que tu es influenceuse. Tu as les millions d'abonnés, dans ça tu gagnes ta vie. On s'est croisé dans un hôtel, tu étais avec. Tu as fait comme si tu m'as pas vu. Tu n'as pas dit tu n'as que des euros. En attendant que tu changes, tu te passes 15 000. Depuis tu me mets dans conjugaison, faut me donner mon argent maintenant au bien de Benguis. Ah ouais, le clip est carré les gars, le clip est carré. Ah ouais, la mélodie change aussi, hein. Tout en a un poste, plus de 15 foot. Ah ouais, c'est une frappe, les gars. Tu as tout le monde les mêmes choses. C'est le parrain, c'est le parrain. C'est le parrain, puis tu viens dans Yango. Christian Dior, lui vit ton père. C'est trafiqué, mais elle va te dire ses maisons mères. De tout son prix, je nous pas à terre. Vous oubliez comment en position datée, hey. C'est qui les vrais, c'est qui les imposteurs. Il était prêt à bidifier photo dedans pour poster. Hein? Ah ouais, franchement, c'est lourd les gars, c'est lourd. J'aime bien la couche là, franchement c'est... Ah ouais, la famille. Ah ouais, franchement les gars, chapeau à l'artiste. Franchement le clip est très bien réalisé. Franchement le clip est très bien réalisé, c'est pas qui a réalisé ça. Attends, je vois dans la description si c'est écrit.
Voilà, c'était réalisé par directed by Kuni The Mindset. Chapeau à toi, frère. Chapeau à toi. Ou je sais pas si c'est un label ou c'est une personne, mais franchement, chapeau à vous. Et franchement, le clip, ça, c'est un chef-d'œuvre. C'est de l'art. C'est pas un clip normal, genre tu fais, tu viens là, les gars sont là, tout ça. Ça se voit que le clip est travaillé. Ça se voit qu'il y a, voilà, il y a du travail. J'aime bien les outfits de l'artiste. Même les outfits aussi des figurants. Franchement, c'est très bien. Franchement, le clip, c'est un clip de ouf. Tu vois, c'est un autre niveau. Voilà. Je pense que le clip, c'est un autre niveau. Déjà, l'entrée, que c'est super court. Tu vois, il y a des... Je sais pas si c'est des prisonniers, voilà, qui sont derrière, qui courent aussi. Et déjà, ça aussi, ça crée un mouvement suspect, tu vois. Ça crée un mouvement suspect. Et voilà, ça donne curiosité. Et franchement, les images sont très beaux à voir. J'aime bien... Je sais pas avec quelle caméra ils ont tourné, mais ça se voit que c'est avec une très, très bonne caméra. J'aime bien le montage, j'aime bien le délire. Même les écritures aussi, ça fait un peu ancien temps, un peu western d'une manière, j'aime bien. Et le son, franchement, les gars, il y a quoi à redire sur le son? Le son est hyper intéressant, j'aime bien les lyrics. Il y a, voilà, il y a des paroles, c'est pas des paroles juste écrites pour écrire, tu vois. Des paroles réfléchies, je kiffe le délire, quoi. Je kiffe vraiment le délire, j'aime bien le son. Suspect ne suit pas aussi la tendance, tu vois. Il ne suit pas le mouvement des enfants, la tendance. Il est dans son registre, mais franchement... C'est rappé, t'écoutes et tu te dis, ouais, le mec, il est bon, quoi. Tu vois ce qu'il dit pas? Il n'a pas forcément besoin de faire mouvement des enfants pour pouvoir être écouté aussi, tu vois. Il a son délire à lui, mais qui est écouté et qui est dans la tendance. Et franchement, chapeau à l'artiste et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sur le son, sur le clip aussi, dites-moi ce que vous en pensez. Et franchement, pour moi, c'est validé, c'est propre. Et chapeau à l'artiste, chapeau au staff, chapeau à ces figurants-là, vraiment qui ont fait des ballets et tout ça, franchement. Et même les visages en sous forme de carton, déjà écrit dessus, vraiment, c'est très, très lourd, c'est très, très lourd. Même, j'aime bien aussi la partie où il y a les téléphones avec le logo de Suspect 95, de la société Suspect. J'aime bien ce logo-là et tout est noir. Et puis, à un moment, on le voit, il sort comme ça. Vraiment, c'est hyper, hyper intéressant, hyper lourd. Franchement, chapeau à l'artiste. J'aime bien son côté aussi, le outfit, genre comme dans le froid. Comme s'il est en Russie. Avec un chapeau, je sais pas si c'est rouge, bordeaux ou c'est quoi. Tous les outfits dans le clip vraiment étaient vraiment super et j'aime bien la créativité du clip. Voilà, c'est pas un clip normal comme je vous dis. Hein. C'est vraiment un clip recherché, un clip travaillé et j'aime bien son côté, vraiment le mal qui se donne, vraiment là, le professionnalisme qui se donne franchement à pouvoir réaliser ses clips et chapeau à l'artiste. Dites-moi ce que vous en pensez et surtout n'oubliez pas de partager, de vous abonner et de faire tourner. C'est très très important la famille. Donc on est ensemble la famille, c'était AGN Euro le boss. On se revoit pour une prochaine fois. Let's go!